Les ministres seront réunis autour d'Emmanuel Macron cet après-midi à l'Élysée pour un conseil de défense, un de plus, où il sera question de la suite du déconfinement. Le gouvernement devrait notamment se pencher sur le cas des discothèques et du monde du spectacle. Et l'impatience est grande dans le secteur. Les théâtres ont rouvert, mais avec des contraintes importantes. Les cinémas, ce sera lundi prochain. Mais les mesures sanitaires ralentissent et vont continuer à ralentir l'économie culturelle pendant encore longtemps. Romain Poinzeau a rencontré pour RMC une actrice. Elle s'appelle Barbara Bolotner. Les tournages de films, les planches du théâtre, le contact avec le public, tout ça manque terriblement à la comédienne Barbara Bolotner. Énormément. On joue des émotions autour d'interactions sociales. Enfin, on est heureux quand on travaille. Alors, elle ne rêve que d'une chose, reprendre son travail normalement, comme avant. J'ai des tournages qui ont été reportés, moi, ça a créé des embouteillages. Il faut que les mesures sanitaires soient respectées. Donc là, c'est un casse-tête au niveau des équipes techniques. Moi, j'attends, comme tous les autres acteurs, la reprise rapide et intégrale de notre activité. Des mesures sanitaires très contraignantes sur les tournages et une reprise timide dans les salles de spectacle depuis la réouverture le 2 juin. Loïc Bonnet, président de l'association des théâtres privés en région, demande un coup de pouce financier au gouvernement. Aujourd'hui, on a aucune visibilité sur les aides à la reprise. C'est pas lourd à sauver la filière des théâtres privés en région parce que c'est 80 théâtres, donc c'est à peu près 10 millions d'euros. Ça peut paraître énorme, mais par rapport aux milliards qui sont injectés dans la restauration, dans les bars, dans le tourisme, c'est très peu et vous sauvez un tissu social énorme. Il demande aussi une levée des mesures sanitaires pour remplir pleinement les théâtres français. Je veux vivre, voilà, avec le virus, on fait avec, mais on vit.